Yo les gens, ici Rafi Gaming, on se retrouve pour le 45e épisode sur F123 My My Team aujourd'hui pour la dernière séance de qualification de la saison. Donc Grand Prix d'Abu Dhabi, donc il me reste plus que la qualification à faire et le Grand Prix. J'aurai fini ma saison, je vais pouvoir enfin revendre mon jeu, ça va être cool. Donc juste faire ça vite fait. Cela, au fait, le but c'est de revendre le jeu pour pouvoir me précommander l'édition. Pas attendez. Non, oui, c'est ça, oui, je peux l'installer. Donc je vais me dépêcher, hop, l'édition Ultimate de Naruto Ninja, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Collection. Voilà, c'est ce que je voulais me prendre comme jeu. Je vois juste ces messages, on y va et on va lancer ça tout de suite. Séance de qualification du circuit d'Abu Dhabi. Donc avertissement, ouais, bon, je m'en fous, je vais pas faire les essais libres parce qu'en fait, j'aurais fait des essais libres si j'aurais fait une deuxième saison. Mais comme je fais pas de deuxième saison, bah je le fais pas quoi. Donc pour ça, je fais juste mes dernières. Donc ce Grand Prix arrivera dans 15 jours du coup. Au moment où je vous fais la capture, ça arrivera dans 15 jours. Pas samedi prochain. Le samedi prochain, c'est le Grand Prix de Las Vegas. Ce sera le samedi d'après. Donc le samedi d'après, on sera je vais vous dire ça tout de suite. On sera le combien? Donc là, on est le samedi 11. Ça sera le samedi 20, 25. Et le Grand Prix le 26 novembre. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer pendant que je parle, pendant que je fais ma qualif. Donc en fait, je vais prendre l'édition Deluxe du coup de Naruto Ultimate Ninja Storm. Je vais l'appeler comme ça va aller plus vite, hein, du nouveau jeu on va dire. Et du coup ça vaut quand même le coup parce que moi je vais payer mon jeu 48 euros en revendant F1. Donc je revends F1 2023. Micromania va prendre 35 euros. Et je vais revendre On The Road aussi sur PS4 qui me restait sur On The Road sur PS4 parce que le jeu il n'est plus mis à jour. Donc je pense que je ne referai plus jamais de vidéo sur le jeu. Et comme je joue sur la ETS sur PC, donc qui est largement mieux qu'On The Road. Hein. Donc du coup, je vais revendre le jeu, il reprend 11 balles. Donc ça me fait 35 plus 11, ça fait à 46 euros. Donc 94 euros moins 46 euros, ça me fera payer le jeu. Du coup, Naruto, ça me ferait payer 48 euros le jeu. Donc ça vaut vraiment le coup. Hein. Ouah, ça vit, ça meurt. Donc ça vaut le coup, j'ai... Au lieu de payer 94 balles, je vais payer 48 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc je vous ferai du coup une vidéo découverte la semaine prochaine. Donc je ne sais pas encore si je fais une découverte ou un live. Parce que moi je suis là du matin la semaine prochaine, donc je pourrais vous faire un live l'après-midi en espérant que le jeu arrive bien le 17 novembre. Parce que moi je vais précommander à Micromania le 17 novembre. Donc en espérant que j'arrive bien à l'avoir le 17. Parce que bah j'ai mon ami Fafan, à chaque fois qu'il précommande un jeu, il arrive toujours plus tard. Donc bah, on verra bien ce que ça va faire pour moi. Si j'aime mon jeu en avance ou pas. Bah si j'ai même le jeu en avance, ça se pourrait même de l'avoir le 16. Mais je pense pas, ça m'étonnerait pas. Bah ça m'étonnerait que j'ai eu le 16. Après même si le 18 c'est pas grave, hein. C'est pas le truc gênant, mais bon voilà, on préfère tout le temps qu'on précommande un truc, on préfère tout le temps l'avoir avant quoi. Le jour même quoi. Bah ça va être chaud, je voulais le doubler mais ça va être chaud. Donc là on est reparti sur du format de difficulté comme avant à 60%. Je suis remis à 60%. Donc là je suis deuxième. Ah, deuxième au niveau du temps, je veux dire, parce que. Ah, Leclerc est premier. Donc comme ça, moi, tantôt, parce qu'en plus, j'ai pas ma voiture, donc c'est ma copine qui a ma voiture. Donc je vais aller revendre Micromania mes deux jeux, comme ça, je pourrai précommander le jeu directement. Et par contre, ce qui est un peu chiant en Micromania, c'est que maintenant, faut précommander les jeux, faut payer maintenant. Avant, c'était pas comme ça. Avant de... Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas... Merde. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de jeu à Micromania. Ça fait plusieurs années. Hein. Parce que moi, j'ai arrêté depuis que... Bah, je suis aperçu que les jeux chez Micromania, ils sont trop chers maintenant, par rapport à ce qu'ils achètent à... Par exemple, Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. On va dire à si t'achètes les jeux à Leclerc quoi. Leclerc, le jeu il est à 49 euros, l'édition standard. Et moi je vais payer du coup l'édition Deluxe à 47 euros. Au même prix que l'édition standard à Leclerc quoi. Et pourquoi il me ferait comme ça lui? Casse-toi merde, tu fais perdre du temps dans mon chrono là. Casse les couilles le mec.
Allez, c'est parti, on va essayer de faire un bon temps là. Après, je vais arrêter. Hop, je suis quatrième pour l'instant. Bon, je prends un peu dans la corde là. Ah, je suis bien là, je suis bien. J'ai, oh, j'ai bouffé les trucs là. Ah, j'ai fait le meilleur temps pendant ce temps. Allez, on va essayer de bombarder là. Enfin, avoir le chrono. On peut avoir le... la première place, ce serait pas mal. On va essayer de bombarder là. Voilà, j'ai un peu glissé un peu dans la sortie de virage là. Alors, pas qu'on est dans les temps là. On a le meilleur temps, encore un meilleur temps pour l'instant. On est bien, on a le meilleur temps pour l'instant. Peut-être faire le chrono, pole position peut-être. Peut-être pas trop glisser dans les virages, ce serait pas mal. Et j'ai carburé là pour l'instant. Est-ce qu'on aura la pole position ou pas? Normalement, ça devrait le faire normalement. Oh oui, une 25, une 25-553, nickel. On va pouvoir rentrer au stand, hop. Oh putain, c'était erreur, c'est pas grave, on va rentrer au stand. On va passer le temps et je pense qu'on a la pole position. Non, on a la pole position normalement. Donc voilà, hop, on va passer le temps. Normalement, ça devrait pas changer théoriquement. Je devrais rester comme ça normalement. Donc j'ai 449 centièmes d'avance sur le deuxième. Donc c'est pas beaucoup, hein. De toute façon, on verra ça plus tard, j'ai des messages. On verra ça plus tard. Donc, en espérant regarder ma pole position, ce serait pas mal. Donc après, je vous ferai la conclusion pendant... donc on est premier, franchement c'est bien. Comme ça, je vous ferai la conclusion en demain, quand je ferai le Grand Prix, je ferai la conclusion sur Arrival 23, sans mes avis, mon avis définitif sur le jeu. Rendez-vous demain en direct pour vivre ce Grand Prix en intégralité. Donc voilà, moi je vous dis à demain pour le Grand Prix. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Si vous voulez, portez bien. Peace.